Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, une vidéo, le tour des semis, des cultures. On est le dimanche 28 mars. Il fait une belle journée, un peu de vent. Alors j'ai mis la bâche de la deuxième serre, tout seul, avec bien du mal. On va aller voir ça tout de suite. Et on va aller voir ce que je prépare pour les semis également. Voilà. On va faire le tour ici. Aubergine que je dois repiquer dans la semaine. Poivrons que j'ai repiqué il y a 4 jours. Voilà, ils sont beaux. Les petits pois. Petits pois, bon, le week-end prochain, ce sera repiqué dehors. Bon, la salade. Semis de choux et semis de poiré qui commencent tout juste, voyez, à lever. On voit le petit truc rouge là, ici. Là c'est de la poirée un peu toutes les couleurs, et là c'est du chou vert. Donc ici les tomates bien levées, il n'y a que les ici les cœurs de bœuf que je dois recommencer, qu'ils ont pas bien levé. La précoce de Quimper, et là c'est du plan un peu toute variété ancienne, offert par mon camarade Claude Lucas, qu'on peut retrouver également sur Facebook. Il montre un peu ce qu'il fait aussi. Voilà. Là, les pots ronds ici, c'est des piments habanero, piments chocolat, couleur marron chocolat, quoi, des petits piments, très forts. Voilà. Là, c'est des salades aussi. Salade, merveille des quatre saisons. Là-bas, c'est de la lilloise. Là, c'est une variété autrichienne, un nom imprononçable. Ici, les poireaux qui ne lèvent pas encore. On les a semés le 19. Là ici, les salades qui poussent. Voilà, ici c'est de la divina. Et là, de la gotte qui pousse pas. Bon, on va se retrouver dans la serre à côté. Alors voilà. J'ai mis la bâche. J'ai fait une tranchée. J'ai mis la bâche dedans. J'ai rebouché. Là c'est pareil. Hein. Et comme j'ai fait à celle-ci, c'est des bâches qui. L'armature elle est très bien, mais la bâche elle est un an ou deux, et puis c'est tout. Là cette année je vais essayer de changer cette bâche là. J'avais déjà prévu, on voit un peu ici. À l'intérieur j'avais rajouté des barres avec des fenêtres, tout ça, pour la prochaine bâche maraîchère, une bâche professionnelle. 180 ou 200 microns, ce que je trouverai. Voilà. Là j'ai fait le même système. J'ai pas encore fait les fenêtres à l'intérieur, j'attends faut que je trouve le matériel pour le faire. Et la terre le long. J'attends qu'il pleut et que ça se tasse un peu. J'ai tassé au pied, mais j'attends que ça se tasse un peu encore. Et j'en rajouterai. Voilà. J'ai fait un passage assez large entre les deux serres et 1,20 m. Donc voilà. Donc dans la nouvelle serre, j'ai déjà travaillé à côté. Voilà. J'ai retourné, j'ai cassé un peu la terre. Et là, je suis en train de faire un. J'ai vu ça sur notre chaîne, sur la chaîne de Philippe. Ça doit être Infin RCX, je pense, sa chaîne, si je ne me trompe pas. Un cocon à tomates. Voilà. Parce que là, on voit que la serre à côté, elle commence à être pleine. Pour les aubergines, les prochaines tomates encore qui vont repiquer, va falloir faire ça. Donc, c'est simple, hein, des morceaux de palettes. J'ai agrafé de la bâche dessus. C'est super. Et j'ai vissé en ce temps. Voilà. C'est super simple à faire. Hein. Si j'y arrive, tout le monde peut y arriver. Alors c'est pour dire. Bon. Je vais la terminer et l'installer. Et je vais vous montrer dès que c'est terminé. Alors voilà. C'est terminé. Bon. Au-dessus, j'ai mis une plaque de verre. C'est une paroi de douche. Assez lourde, elle est grande aussi, elle fait bien elle est 70-80 sur 2 mètres, 1,82 m. Voilà. Donc devant il y a la porte, c'est bien hermétique partout. Là le sac c'est un grand sac poubelle, et je mettrai les aubergines que je vais repiquer, je vais tous les installer là,
les aubergines et les tomates. Hein, et il y a plus de 300 pieds de tomates à repiquer. Voilà. Et là, il y a un jour ici. Bon, il faut un peu d'air, mais le matin, comme dans les Hauts-de-France, si j'ai encore un peu, je mettrai un ou deux voiles de forçage au-dessus. Donc, je pense que ça devrait aller. Hein. Il y a la serre, le cocon à tomates, comme Philippe l'appelle. Voilà. Bon, j'espère qu'il n'y a pas déposé un brevet d'invention. Hein. Voilà. Donc, on va voir. Hein. Dans l'autre serre, c'est avec des arceaux et du voile de forçage, du P17, un voile comme ça. Et ici, c'est ça, on verra si ça fonctionne, on ne devrait plus avoir de grosses gelées. Voilà, donc dans cette serre, il y aura des tomates cette année. En attendant, il y aura le plan d'aubergines et de tomates. Donc, par contre, j'ai plus de bâches comme ça, je vais essayer d'en trouver, et je vais refaire des petits trucs comme ça, j'ai encore des palettes. Refaire des parois, hein, des carrés. Il faudrait au moins 3 fois ça pour tout repiquer les tomates et aubergines. Voilà. Donc là, maintenant, je vais fermer la serre. Hein. On va voir. J'ai pas encore mis un thermomètre dans celle-ci. Je vais en mettre un et on verra combien il fera. Voilà. Par contre, le matin, il faudra, selon la température, faudra l'ouvrir et puis le soir bien refermer et couvrir avec ça. Même si la nuit il prévoit du gel, bon moins 1, moins 2, je pense pas que c'est dangereux. Mais s'il prévoit du gel, pas avoir peur de mettre une couverture ou doubler les couches pour protéger du froid. Voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo. Hein. C'était pour vous montrer un peu l'avancée des travaux, des cultures, tout ça. Voilà. Bon, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut tout le monde !